temps, c'était Combe-l'Abbé qui m'avait engagé. Puis je finis le vendredi à l'école, il me dit « Sois là lundi ». Fait que j'arrive le lundi matin, rentre, pas un chat. Il s'en rappelait plus? Non, c'était le congé de la fête de la reine. Ce qui a été frappant, c'était de rencontrer Camille pour la première fois. Il m'a parlé cette fois-là, puis après ça, ça a été 2 ans plus tard. T'es arrivé, il fallait que tu montes le colimaçon. Elle est verte. Elle était verte. Oui, elle était verte. J'ai rentré ici le samedi matin. Je suis supposé rentrer pour 3 heures. Fait que c'est pas 40 ans, je sais pas. On décide de regarder. C'est-tu Combe-l'Abbé qui t'a engagé? C'est mon ancien beau-père. Ça a pris 3 semaines d'entrevue. Parce que je m'en rappelle encore. Ça a pris 3 semaines d'entrevue, puis la dernière entrevue, c'était avec toi. Puis tu m'avais demandé comment est-ce que j'avais appris mon anglais. Puis je t'ai dit, ah, j'ai resté dans l'Ouest, tout ça. Puis j'ai dit, ah, t'aimes-tu le hockey? Tu m'avais dit oui. Tu dis, pour qui tu prends? Je pense que je t'ai dit, je prenais pour l'Avalanche. OK. Ouais. Là, t'as changé. C'est là, j'ai changé. Si tu m'avais dit Boston, tu commençais à J'ai les portes barrées avec une chaîne à l'entrée, là, tu sais, dans le temps. Et, pas de système informatique, pas de système téléphonique. Tu courais après tout le monde pour passer les lignes. J'ai connu le Telex, l'arrivée du fax. J'ai connu plein de choses. J'ai connu plein de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui savent pas c'est quoi un fax, ça. La fin du fax, l'informatique. Je ne suis pas bonne, mais je me suis améliorée pareil avec le temps. Tu as connu l'arrivée de tout le monde ici. Tout le monde. Ah, ouais. Puis des départs, mais plus l'arrivée de bien du monde. Ouais. Mais je me rappelle qu'on a commencé à avoir les e-mails aussi, les courriels. Ouais. On ne connaissait pas ça dans le temps. Ouais. Ça a commencé à arriver. Puis là, Jean-Pierre, il nous disait envoie-moi ça par courriel. Envoie-moi ça par courriel. Content, voyons, hein? c'est quoi le but de faire des courriels? Voyons, on n'a pas besoin de ça, les courriels. On était capable de se transférer les fichiers. Ben, en fait, on était venu avec le pavillon technique à l'école visiter l'entreprise. Puis en marchant avec lui, là, il me disait on a moi ça. Tu viens travailler pour nous autres? Je dis, OK, je demande, OK, quand est-ce que je commencerai? Je peux commencer à soir, si tu veux. Par un concours de circonstances, je travaillais pour Canam Bâtiment, qui s'appelait Technix à l'époque. La semaine d'avant, j'avais appris qu'ils fermaient le bureau à Québec, fait que. Ils m'ont dit, ils cherchent peut-être des dessinateurs chez Structal. Fait que je suis venu donner mon nom ici, puis je vais passer l'entrevue avec Bernard, puis Luc. J'ai arrivé au bout de la B4-5, j'ai parqué mon char, j'ai pris mon casque à souder, j'ai rentré dans la B4-5, j'ai été voir. J'ai dit, vous avez besoin de soudeur? Ouais. Fait que là, il dit, va souder là-bas avec la voix. Là, je pars, je soude. Il vient voir mes morceaux. Ouais, il dit, sois allé poser ton médical, puis tu commences lundi prochain, de nuit. Ça veut dire que je faisais des ressources humaines. Comme dans mon jeune temps, j'étais pompiste, puis Bernard venait me voir à la station-service, puis il dit, toi, il faudrait que tu viennes travailler pour nous autres. Ouais, je vais aller voir ça. Je connaissais même pas c'est quoi une drain magnétique, à rien. Fait que je suis rentré ici, je suis engagé, puis mon contremain, c'était M. Pomarlo. Puis je me souviendrai toujours, à un moment donné, plus que ça avançait, on arrivait dans l'hiver, puis là, il fallait déneiger l'hiver, on déneigeait avec un lift. Vous vous en souvenez du fameux boquette. Puis j'ai dit à Claude, comment qu'on fait? Il c'est pas compliqué, tu mets ça en premier, tu lâches jamais le gaz. C'est Combe-l'Abbé qui m'a engagé aussi. Puis c'était relativement simple, je l'ai rencontré, tu te connais-tu, t'es qu'à, je dis oui. Bon, du logiciel qu'on utilise, tu dis c'est bien pareil, tu vois. Oups! C'était pas pareil, hein? Non, c'était pas pareil. Parce qu'il y avait la chope à Robin dans le centre des métaux, puis t'avais le reste. Puis il voulait pas empiéter sur le reste. C'était la chope à Robin. Fait que... Je me rappelle quand t'as commencé à faire de la mise en production. Ouais. Moi, j'avais compris que Yves, il était important. Ça fait que j'allais le voir. Puis Camille, il revenait avec les papiers, il me les redonnait. Oui. Je travaillais pour Robin. En dehors de mes heures, je faisais son ouvrage, puis Camille il me surveillait, je faisais l'ouvrage pour Robin, t'sais. Puis tu vois, aujourd'hui, il m'a choisi. Il y en a beaucoup qui ont passé par le dessin, qui ont été aux achats, qui ont été à l'estimation, à l'informatique. C'est comme un club-école. Hey! Quand j'étais à mise en production, descendre des programmes dans l'usine en sandales puis en short dans l'usine. Puis, tu sais, on faisait des rénovations de bureau. Tu avais mon Denis Simard qui avec son galon au bureau. Dérange-toi pas, là. Puis il sortait les mesures dans ton galon. Je disais à Denis, c'est quoi qui se passe? Ah, je peux pas rien dire. Mais dérange-toi pas, c'est pas grave. Tu sais, il prend les mesures à tout ton. Ben, au début, on faisait des spans, on perçait tout, on plaçait toute ta main d'un bout à l'autre. Puis graduellement, on s'est équipé pour pouvoir percer ces CNC. On perçait encore à la main. Puis le rendu aujourd'hui,
On est dans le virtuel, qu'on perce presque... On perce plus. C'est rare qu'on sort une drill. Je me rappelle d'avoir... qu'on ait rushé pendant le temps des fêtes, puis sortir des dessins, quand on est arrivé... on arrive le lundi après, le, après, le, après les vacances. Camille nous dit « on n'a pas l'acier ». Le pire, c'est que moi puis Luc, toutes nos familles se connaissaient. Mon frère jouait au hockey avec son frère. Mes parents travaillaient avec ses parents. Mais moi puis Luc, on se connaissait pas, puis on s'est connus ici. Ça fait 25 ans cette année. Ouais. Si je me rappelle, c'était... Il y a quelqu'un qui avait écrit sur un pont roulant. Luc, pis... Luc plus Annie, je me rappelle. Parlez-vous de job à la maison. De moins en moins. J'aime pas quand ils travaillent sur mes dessins. Non. Parce que non, c'est pas une bonne idée. Ça qu'on vient de comprendre que c'est toi qui m'aides. Non. Non, en fait, 5 minutes au souper, mais après ça, on passe à d'autres choses. Parce que sinon, on parle juste de job à la maison. C'est pas ça. Il y a une année, si je me rappelle bien, on a fait un projet au Yukon, on l'avait fait en BC, en Alberta, on avait touché toutes les provinces dans la même année. Slim River Bridge. Ouais. C'est moi qui ai allé porter la soumission à la main. Parce qu'on était pas atteint. C'est ça. T'as pris l'avion, t'es allé, mais on a fait des projets dans toutes les provinces, puis il n'y a pas aucun autre fabricant qui fait ça. Quand on a fait le premier pont, quand on s'est lancé dans les ponts, on n'a pas fait le pont Rivière-Sainte-Marguerite. Et ce pont-là, on était en train de le fabriquer. Je me rappelle, on s'en allait le matin, il disait aux nouvelles, il y a un pont qui est tombé. C'est le premier pont qu'on faisait. C'est un projet que vous aviez repris pour le terminer. C'est ça. C'était l'art machinerie qui avait le projet. Exactement. Il a fait faillite, vous avez repris le projet, puis il est arrivé quelque chose. C'est une erreur de design. C'est ça. Quand même, c'est le premier pont. Un des premiers ponts, on se lançait dans ce domaine-là. Là, puis... Hey, c'est le fun, hein? Quand tu parlais de persévérance tantôt, là. C'est de Montmagny. Oui. Le déraillement, on a eu le jeudi, je pense, que c'était rentré. Il y a eu un déraillement le samedi. Le dimanche matin, je parlais avec M. Novak du CN. Ouais. Le dimanche après-midi, j'ai envoyé notre liste d'acier. Puis lundi après-midi, on commençait à fabriquer. Puis une semaine plus tard, on livrait la première travée. Ça, c'est le plus rapide qu'on a fait avec le CN. Puis si vous reparlez, M. Novak travaille encore. Hein. Fait quand on a besoin d'un service ou d'une information, j'appelle M. Novak. Normalement, il se rappelle très bien nous autres. Que ce soit dans les bureaux ou dans l'usine, oui. Tu as du personnel compétent, ils aiment leur job, puis ils veulent que l'entreprise avance, c'est grâce à eux autres aussi. Je regarde un peu mon cheminement, puis je pense que j'ai apporté quelque chose à chaque étape que j'ai faite un peu partout. Puis il reste un petit peu de moi dans un peu tout, là. Je trouve ça intéressant. Là. La plus grande fierté qu'on peut avoir, c'est de dire, ben gars, il y a un groupe de personnes qui investissent, puis qui se disent, ben cette gang-là sont capables de faire de quoi qui... Mm-hmm. Qui est positif et qui est rentable également, parce qu'il faut l'être, mais moi, je pense que c'est ça qui nous amène le plus fier. Puis juste passer sur la route, là, c'est nous autres qui a fait ça. Moi, je travaille, là, gars, c'est là. Ben, on va partir au bon voyage, là, en vacances avec la famille, puis mes enfants. Ah, c'est nous autres qui a fait ça. Avant, je regardais pas en dessous des viaducs. Non. Tu sais que tu peux programmer ton GPS pour passer juste sur les ponts qu'on a fait. C'est dans Montréal, pareil. Oh, oui. Pas de pont béton, juste les ponts canal. Tu veux le pont de l'île d'Orléans, tu mets ton gilet de Boston. Je veux juste avoir ça on the record, là. Quand on va obtenir le projet du pont de l'île d'Orléans, je vais venir avec un gilet des Bruins de Boston. C'est vrai, je vais t'amener une tique, OK? Puis je vais t'amener le mien du Canadien, tu vas le mettre. Correct, je vais pas te problème avec ça.